voilà, mesdames et messieurs, l'émission 100% Fali Poupa. Je vais essayer de mettre le micro, voilà, comme ça. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Ok. Fali na fail. Ngam tu la tenir. Fali na fail. Ah ouais. Na lobe la, na zo lobe la succès te. Alors, il y a un chanteur. Il y a un chanteur. Il y a un chanteur. Non, il y a un chanteur. Bon, il y a un chanteur. Ah, au même, au même titre. Il ne faut pas aller. Il y a un chanteur. La qualité. Elle pas adressé un surnom qui est venu comme ça, c'est un mama qui m'a surnommé. Et c'était dans un concert comme ça. Il m'a appelé le padre. Moi je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'appelles le padre? Chez nous, ça veut dire. Chez nous, c'est en italien déjà. En italien, ça veut dire papa. Je lui ai dit pourquoi papa parce que t'es le padre de la reine. Ça, c'est partir que j'ai fait. El Padre. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fali Poupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique et salut à tous mes abonnés. Un grand merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification. Un prochain numéro de cette émission, je fais cette émission dans la voiture parce que mon fils est en train de dormir. Alors je voulais vraiment vous informer parce que Fali Poupa depuis hier, il a fait beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de partager ensemble. Aujourd'hui on va partager beaucoup de choses ensemble et demain je vais vraiment revenir à mon assiette avec des émissions 100% Fali Poupa. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses et vous demander d'abord à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, pour rester toujours à la page et focus avec Fali Poupa. On va parler de plusieurs sujets. Donc, ce qui est très important, c'est aussi de s'abonner, d'activer la cloche de notification et partager mes vidéos dans vos groupes respectifs sur WhatsApp. Envoyez les gens, ça fera tellement du bien d'agrandir encore la communauté. On est déjà 100 000 abonnés, mais on va avoir encore plus. C'est tellement bien. Fali Poupa séjourne maintenant à Brazzaville. Il était à Pointe-Tunant. On va vous montrer la vidéo du concert de Fali Poupa. Malgré la pluie, malgré tout ce qui s'est passé, Fali Poupa a répondu présent devant ses fanatiques. On a des vidéos à l'appui, on va vous mettre. Aujourd'hui, Fali Poupa est à Brazzaville. À Brazzaville, Fali Poupa est arrivé. On va vous mettre l'arrivée de Fali Poupa et on va vous parler. Et son concert, c'est déjà sold out. Un concert à plus de 3 millions. Il y a des tables à 3 millions de francs CFA qui est 5 000 $, 5 400, 5 600 $ comme ça. Il y a des tables à 1 500 000 qui fait un équivalence des 2 500, 2 600, 2 700 $ et la table à 1 million. Donc Fali Poupa n'est pas l'ami de quelqu'un. Fali Poupa est au-dessus. Fali Poupa est vraiment très 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 loin avec ce qu'il est en train de faire. Donc restez jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas au début. On va les dire au milieu, mais on les dit souvent à la fin. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas au milieu. On dit à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà, c'est comme ça. On va prendre la première vidéo de cette émission. Donc on va parler d'Héritier Watanabe chez Lokuta en politique, comment Sango est en train de créer des polémiques et on va vous montrer que Fali Poupa est le plus grand chanteur de la musique africaine et le plus grand chanteur donc à l'équipe chanteur toute la musique. Je vais vous démontrer dans cette émission, donc restez jusqu'à la fin et à boire et à manger. On va prendre la première vidéo de cette émission, Fali Poupa à Brazzaville. Prenons la vidéo. Ou soit on va d'abord, voilà, on va prendre la vidéo d'aujourd'hui. J'ai parlé ce qu'il a fait aujourd'hui, puis on va aller directement à ce qu'il a fait à Pointe-Tunant et puis on va revenir à Brazzaville pour finir avec Brazzaville et on va finir avec Héritier Watanabe dans l'émission Lokuta na politique. Prenons la vidéo de Fali Poupa maintenant.
Voilà, voilà Fali pour aujourd'hui. Au locaux de Congo B, hein, à Brazzaville, regardez plein. Mesdames et messieurs, Fally Ipupa au locaux de Congo B à Brazzaville. Fally Ipupa, on a vu l'engouement. Combien de personnes on a accueilli Fally Ipupa? On est en train de chanter pour lui. L'artiste et musicien Fally Ipupa déjà à Brazzaville pour livrer son concert d'aujourd'hui. C'est un concert VVIP que l'artiste et musicien Fally Ipupa va livrer. Mais ce concert, sa particularité est quoi? Le concert est déjà sold out, comme on vous avait dit. À l'équivalence de ce qui s'est passé, on va voir, parce que le master de la presse a toujours l'habitude de vous mettre pièce contre pièce. Moi, j'aime pas vraiment mettre des choses sans preuve. Là, le concert de Fally Ipupa d'aujourd'hui est déjà sold out. Ce concert qui va se faire VVIP show. Il y avait déjà des réservations de tables. Fally Ipupa a vendu, a fait sold out. Il y a la table à 3 millions de francs CFA qui nous compte, si on calcule, à 5400 et quelques dollars. Il y a la table 1 500 000 qui nous fait à peu près 2600-2700 dollars. Il y a aussi la table à 1 million qui nous fait 1500-1700 dollars. Imaginez-vous un artiste, un musicien qui fait des concerts pareils. Les Ivoiriens ont trop pleuré, les Ivoiriens ont trop parlé. Oh, Fally Ipupa, tu viens en Côte d'Ivoire, tu fais des concerts à 100 000, 200 000, 300 000. Regardez ce qu'il est en train de faire à Brazzaville. 3 millions de francs CFA, il y a des gens qui sont en train de s'étonner. Comment Fally Ipupa, pour voir Fally Ipupa, il faut débourser la maudite somme de 3 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Je trouve qu'en Afrique aujourd'hui, il n'y a pas deux artistes qui vont faire des choses pareilles. Il n'y a pas deux artistes qui sont capables de vendre la table à 3 millions de francs CFA aujourd'hui en Afrique. Il n'y en a pas deux. S'il n'y a pas Fally Ipupa, on n'a jamais vu des choses pareilles. Il a fait ça en RDC. Son concert qui était à Rotana, si je ne me trompe pas, quand l'album formé s'était sorti, il a vendu des billets à 500 dollars. L'artiste et musicien Fally Ipupa est redoutable. Mais à part ça, Fally Ipupa a été invité le 28 mars, c'est déjà passé. Le 28 mars, Fally Ipupa a été invité de Total Energy où l'artiste a eu son cachet de prester. Malheureusement qu'il y avait eu la pluie, malheureusement, mais l'artiste musicien Fally Ipupa a toujours répondu présent. Donc on va vous montrer la vidéo. On va commencer d'abord par le générique qui marche et puis on va vous mettre le Mayday concert, quelques concerts de Fally Ipupa. Comment est-ce qu'il a répondu présent c'était à Pointe-Noire, voilà, à Pointe-Noire où Fally Ipupa a répondu présent à l'invitation de Total Energy. Bohébi, Total Energy, c'est pour les Français, donc ils ont géré pétrole et consort. Donc on va prendre la vidéo de Pointe-Noire et puis on va revenir à Brazzaville. Ça calme, hein. À la fin on va finir avec Lokutana politique, ses allégations et qu'est-ce qu'Hérité Watanabe a répondu vraiment aux provocations et surtout polémiques de M. Lokutana politique qui sangle. Donc prenons la vidéo Fally Ipupa à Pointe-Noire, le générique Paris La Défense Arena, aux cartonné Micolo. Prenons la vidéo maintenant.
Pacho. Johnny Makomoni mon Pacho. Paris La Défense Arena, le meilleur concert de tous les temps. Bientôt aussi trophée. Baloko Bomoni Fali Poupa, Paris La Défense Arena. Meilleur générique de tous les temps. Johnny Maka, Pongia ba bébé, toqué. Réveille ma vraie. Et Fali Poupa. Malali Pongia ba bébé. Ma joue à tout. Banani. El Marabioche, el Pipe de Ol, el Pitiche, el Fantastico, el Minde de Le Mondo, Fali Poupa, Aigle. Paris La Défense Arena, le meilleur concert de tous les temps de la musique africaine, de la musique dans le monde. Moto Robert Adikapa, Tutube. Moto T, Akobeta Aigle, Ezalana. Fernand Tete. Paris La Défense. Je suis fier d'être là. Balala di. Ambassade de bourgeois. Les Warriors toujours d'attaque. Le meilleur générique de tous les temps. Paris La Défense Arena, le meilleur concert aussi. Fali Poupa, meilleur artiste de tous les temps en Afrique. De génération en génération. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, on vous a montré le générique à Paris La Défense Arena Fali Poupa le 28 mars passé. Pour Total Énergie, Fali Poupa devait prester un concert live, mais il y a eu la pluie. La pluie vraiment n'a pas donné, n'a pas vraiment servi à l'artiste musicien pour donner ce qu'il a l'habitude de donner, parce qu'on connaît Fali Poupa, il est très fort avec des lives. Donc du coup, Fali Poupa ne pouvait pas vraiment donner ce qu'il peut donner aux mélomanes et fanatiques de la bonne musique. Mais quand même, comme il avait eu l'argent de Total Energy, comme c'était déjà calé, comme il a un calendrier chargé, il a dit non, je vais toujours répondre présent pour les fanatiques. Donc félicitations et merci à Fali Poupa, parce que tu n'as pas laissé tes fanatiques orphelins. Tu n'as pas fui. Malgré la pluie, tu as dit tu vas prester, tu as presté.
En tout cas, félicitations à toi et aussi Total Energy pour l'invitation parce que Fally Poupe, il est en train de tourner. Azo Mibeti, ça va concerter. Azo tourner. Ce qui est bon, il est victime et présenté Fally Poupe. Est victime et comment les entreprises. Sold out 3 millions de francs CFA 1 500 000 de francs CFA 1 million de francs CFA donc c'est l'argent qui entre c'est un sold out total donc il y a tel rôle qui est arrivé à Betty Boy à Kaboli Babie qui n'est pas comme pas Jonga Babie comme on n'est pas Ndomboline consort ce n'est pas le même level donc Bangoula Bukanga Minoronabino. Voilà, on va prendre une vidéo encore de Fally Poupe là-bas. On ne sait pas s'il y aura trop de droits d'auteur. Non, tu as son année assez. Comme ça, total est plutôt que Nena étape. Il y a Fally Poupe encore dans Brazzaville, dans l'émission Morale Kaki. Et puis, dans ce cas, tu as vu na biso nani lokuta na politique. Ndenge ni na zone na tchaba polémique à Bouzoba. Prenons Fally Poupe. Bon, on va prendre Fally Poupe en train de chanter hein, dans son concert des Pointe-du-Nord avec des fanatiques comme ça. On va revenir pour parler maintenant d'autres sujets de cette émission. Prenons la vidéo maintenant. On a diminué à cause des droits d'auteur. Toi, public. Public. Boga public, boga public. Bon, on va diminuer pour les droits d'auteur. Hein. Zolela Adolf Muteba Mede. On ne sait pas si cette partie va passer, mais si ça passe, c'est bon à cause de trois de droits d'auteur. Donc on va regarder. Touché la blanche personne assez. Johnny Macomoni plein. Boga public. Tout ça, musica. El Mara. La boca la gata ma bangadi. Les Warriors toujours d'attaque. Johnny Mac depuis la Norvège. Mambanda Baleling appelé avance. El Rey Mago. Nana Ketcho Monte ma Fally Poupe. Mama Yeti. Mama Lili depuis le Gabon. Medei. Hymne national de la musique congolaise.
Fali Poupa Aigle. Balali déjà. Sin. Écoutons la chanson de Marco 6, célébrée dans le bac. Mayday, Mayday. La chanson de Fali Poupa, trop de droits d'auteur. Si cette partie, si c'est, ça reste pas dans la vidéo, pas de quoi, mais quand même, Fali Poupa fait un grand concert à Pointe-Noire pour Total Energy. Malgré ben streamer avec Robé, ben live moins ça, les mais à la guitée, Fali Poupa était obligé de prester comme ça. Mais bon, on a vu des fanatiques avec la star Fali Poupa toujours. Bon, cas public. Oza bolingona nga muteba. C'est le rey Mago. Éternité. Le fanatique ball est là. La mort est de Fali Poupa. Le problème de Fali Poupa, trop de droits d'auteur alors que ce concert n'est pas live. Donc on essaie de vous donner ce qu'on peut vous donner. Hein, donc supportez seulement comme ça. La qualité n'est pas bonne, c'est pas à faute. Ce soir, il live dans notre cabine au Boyoka. Bon, public. Bon, public. Voilà, mesdames et messieurs, c'est dans ces conditions qu'on est en train de regarder la vidéo de Fali Poupa. Il y avait trois, c'était pas un concert live parce qu'il a expliqué, bino déjà, Mboule Betaki et Bomi Marambo, il y a un concert, on a déjà.
Donc, mais public était wana, public zaki wana passion, bazela qui on a attendu Fally Ipupa malgré Bamboula, baye bavanda qui bazeli Fally Ipupa ya, Fally Ipupa aigle a zelipe a beteli bangope concert a sali pena maramba minene ndenge zalara na Brazzaville, na pointe nord plutôt, lelo Fally Ipupa va être à Brazzaville pour nous donner vraiment, en tout cas, maramba minene. On va prendre la vidéo de Fally Ipupa vite fait. Vite fait la vidéo de Fally Ipupa à Brazzaville. Qu'est-ce que l'artiste musicien Fally Ipupa est en train de faire à Brazzaville? On va prendre la vidéo de la star Fally Ipupa. On avait vu l'arrivée naé tout à l'heure. Émission morale et qui les loboyoka tout à la Fally Ipupa. Qu'est-ce qu'il va faire à Brazzaville? Prenons la vidéo maintenant. Mais des likes. Succès offre beaucoup d'ouverture, beaucoup d'avantages. Quelles sont selon vous les choses les plus compliquées? Les choses les plus compliquées. Il y en a pas mal, mais bon. Pour à l'anonymat? Bah, pas compliqué par rapport à l'anonymat. Bah, peut-être la liberté de pouvoir faire tout ce que vous avez forcément envie de faire et pendant vous avez envie de le faire au jour d'aujourd'hui. Parfois j'ai envie de marcher, quoi, de manger du pain. Expliquer à la jeunesse sa réussite et des difficultés qu'il a en tant qu'artiste international connu, rester en public. Donc parfois la réussite est bien, parfois aussi c'est ça aussi des couacs, parce qu'il aura aussi besoin de marcher à Bandal comme avant. Il aura aussi besoin de rester au coin avec ses amis. Mais maintenant, comme c'est déjà un Fally Ipupa, il ne peut plus le faire. L'artiste musicien Fally Ipupa, il a encore expliqué, c'est aussi bien de profiter de sa réussite parce qu'il a travaillé pour devenir là où il est. Il a travaillé pour devenir ce Fally Ipupa où il est aujourd'hui. Donc, il ne regrette pas parce qu'il a travaillé, il a voulu du succès, il a obtenu du succès. C'est ce qui est normal. Alors, mesdames et messieurs, les jeunes, la jeunesse, rien que le travail peut vous donner ce que vous avez envie. Après d'obtenir ce que vous avez envie, il faut aussi garder. C'est ce que Fally Ipupa fait. C'est pour cela qu'il est de génération en génération, de succès à succès. L'artiste monsieur Fally Ipupa, depuis qu'il a commencé en 2006, jusqu'à présent, son nom est au-dessus de tous les artistes musiciens en Afrique. En tout cas, félicitations Aigle et la manière dont que tu es en train de former le jeune Osa, exemple à ma jeune, tu es l'exemple de la jeunesse, tu es l'exemple des gens qui ont envie de combattre, de se battre pour devenir là où ils sont. Mais par hasard, on voit des cons, on voit des stupides, des gens pour venir casser les efforts de l'autre. Et nous, les masters d'aujourd'hui, on ne peut jamais laisser des gens comme Lokuta en politique, d'autres personnes venir casser les efforts de l'autre. Fally Ipupa a fait des efforts pour arriver là où il est aujourd'hui. Il a fait des énormes efforts. On connaît là où il vient des Bandal, on connaît là où il vient des quartiers latins, des talas latins et consorts. On ne peut pas laisser des gens qui n'ont rien fait de venir aujourd'hui casser les efforts de l'autre. Toko Tikabino, jamais. Donc Toko Tikabino, jamais. On va prendre la vidéo, la dernière vidéo de cette émission, Lokuta na politique.
en train d'interviewer Héritier Watanabe et lui poser des questions un peu stupides, que moi je trouve c'est vraiment stupide et ridicule. Entre l'artiste monsieur Hervé et Fally Ipupa, qui est le grand chanteur, c'est sur base de quoi? Je vais vous expliquer dans cette émission. Prenons d'abord la vidéo et puis Naroyana Lobelabino quelques mots à ce qui concerne ce sujet et puis Burutala. Prenons la vidéo maintenant. Bonjour monsieur le chanteur. Polémique t'es. Polémique. Vous avez un critère où vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de mais il doit être un bon chanteur. Ok? Fally na fere. Je suis un chanteur. Ah, au même titre. Il faut pas aller à la maison mère. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez Olivier tout ça fabrique ça qui n'a sima mais ça n'attaque à l'ibosso tout au solo là ma camarade au côté bonne et dans ce moment là yo la ligne n'aille pas Fally na fere qui est le chanteur bon bah il chanteur bah chanteur il y a Congo kaka oui bah chanteur à Congo bon bah il chanteur qualité la qualité on va aller bah chanteur à qualité il y a ma casse d'abord on va aller sur le foyer mba nani aux autres à l'aise au peloton aux autres mba bino bimé ça qui est hérité ou mba ça la sincère sincèrement on a pour nater n'a fan été n'a pas fanatique n'a pas s'il vous plaît est-ce que vous avez s'il vous plaît fan Olivier n'a pas le banal non on a le banal n'a pas autant que Olivier Naiboa Olivier Naiboa il s'est complété donc ça au sein Olivier Bogo ça il est beau c'est ça maintenant la beauté de l'art. Fally et Fere sont des bons chanteurs. Oui, des très bons chanteurs. Mais Moutouna a la technique. Naï. Après, maintenant, il y a des chanteurs ténoristes. Il y a des chanteurs deuxième voix. Il y a des chanteurs première voix. Première voix légère, première voix aiguë, tout ça là. Ngaï, on a été là, on a jugé deux artistes. Voilà, mesdames et messieurs, je vais expliquer vite fait de ce sujet de monsieur Sango. En train de placer la question pour que Héritier Watanabe puisse insulter ou soit Héritier Watanabe puisse dire des choses où Sango en a besoin. Mature qu'Héritier Watanabe, eux,
Et dans son connaissance de la musique, Héritier Watanabe a très bien expliqué la différence entre Fally Ipupa et l'artiste musicien Ferregola. Mais moi maintenant, je vais vous dire, monsieur Sango, l'okuta na politique, tu es ridicule, monsieur Sango. Tu as quel problème avec Fally Ipupa? Si quelqu'un a refusé de passer dans ton émission, il devient ton ennemi, c'est ça? Tu as quel problème, monsieur l'okuta na politique? Tu es ridicule, c'est la même chose que tu as posé à Ferrego, là, est-ce que tu connais Nana Ketchup? Tu es complètement ridicule et Héritier Watanabe t'a humilié, ridiculisé dans mon propre plateau, Nayo. Il t'a montré qu'il est plus intelligent que toi, mais c'est l'okuta na politique. En tant que journaliste, on ne pose pas une question pareille. Qu'est-ce qui signifie Moutaleki Moninga na chant? C'est par ce que les gens sont en train de donner. Qu'est-ce qu'il fallait pour pas donner avec Formule 7? Et qu'est-ce que Ferregola a donné avec l'album Dynasty? C'est là où on doit comprendre qui est supérieur. Qu'est-ce qu'il fallait pour pas donner avec Tokos et Tokos 2? Et qu'est-ce que Ferregola a donné avec Dynasty 1? C'est là où on voit qui est supérieur à l'autre. Qu'est-ce qu'il fallait pour pas donner avec Droit Chemin? Qu'est-ce qu'il fallait donner avec Sens Interdit? C'est là où on voit qui est supérieur de l'autre. Qu'est-ce qu'il fallait pour pas donner avec Arsenal de Ben Melody, Power Kosaleka et les autres? Et qu'est-ce que Ferregola donne? À quoi dire que quelqu'un est un grand chanteur? Donc crier, vous savez, il y a un chanteur qu'on appelait Garou. Est-ce que Boebi Garou n'est pas un chanteur? Alors que Garou est placé parmi des meilleurs chanteurs en Europe, parmi des meilleurs chanteurs en France, Garou en a besoin. Boyebi ndenga banda koyemba. Est-ce que Moutayebi ndenga Garou banda koyemba? Mais il est placé parmi les meilleurs chanteurs. Gims, Dadju, Nana, Silmani, ba grand chanteur, ba bande l'anzembo à Garou. Ba yembi en olisous. La honte. Vous êtes ridicule, monsieur Sango. Vous êtes complètement ridicule. Vous êtes complètement ridicule et parler des choses pareilles dans des émissions. Chaque fois, dans chacune de tes émissions, quand tu as invité au bazar artiste, bozo tcha bango kaba finga fali. Bozo yana ba question moko inutile, ba question moko ridicule. Fali ale kifere na oyemba musika. Est-ce que faire à quoi manze mo roi We Are the World? Est-ce que faire à quoi manze mo roi Kokoko? Est-ce que faire à quoi manze mo roi Mede? Est-ce que faire na morphologie na yako sala manze mo le roi ba stop à la guerre? Ba technique ou fallait que nana ba chan roi ba amore? Ma technique, bah, où t'es merveille. Fais rigole à Embra, tout droit à Embra, quand n'en a moko. Fais rigole à ce dépia banda ko gang à tile loi gang à kaka voe kauka. Est-ce que vous croyez que si un artiste crie beaucoup, c'est un grand chanteur? Qu'est-ce qu'on appelle par chanter? Chanter, il faut toucher le cœur des gens. Chanter, il faut bercer le cœur des gens. Chanter, il faut faire du succès avec sa musique. Ferregola ne fait pas du succès avec sa musique. Ferregola, il fait du succès parce qu'on lui compare à Fally Ipupa. Ferregola n'a plus de zèvres. Ferregola n'a plus de chef-d'œuvre. Ferregola n'a jamais eu de chanson à succès. Bon, ça n'a pas de Ferregola à salé le Kiliputa. Nzemoni ni fera sala na vina ele ki cho kokoko. Nzemoni ni fera sala na vina ele ki ata pharmacien. Nze totchaku ba mede te ba SLT. Ferregola n'a pas le niveau de Fally Ipupa na matière chant. Fally Ipupa chante plusieurs techniques. Fally Ipupa matara kenda ka melancholiza kena sa sali marambu tout. Fally Ipupa dans la musique, il chante na ba façon tout na tengelo ba chalo wa We Are the World. Na tengelo ba chalo wa cho, boke yoka cho, boke yoka ba chalo gola ba kokoko. Est-ce qu'il fallait abîmer sa technique à chant? Est-ce que Ferregola roi mba bachal roi ba faire avec ça? Vous êtes ridicule. Heureusement que le ridicule ne tue plus. Sonizo memabino boloba ba bêtise. Héritier Watanabe très sage, très intelligent a humilié sango na plateau na emoko. Héritier Watanabe vous a humilié. Quelle honte, quelle honte, Dieu, honte à vos places. Nazana soni na ba place na bino, poser des questions moro très 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 ridicules. Nani a l'équipe moninga na chant. Soni ndezo salabino parce que Fally Ipupa, le quoi l'équipe bango na chant, pe a l'équipe bango na osala succès. Tu peux jamais connaître du succès au niveau de Fally Ipupa et Boyemba, surtout musique rumba. Parce que Fally cartonne avec la musique rumba. Balboum le quoi ba Droit Chemin, balboum le quoi ba Arsenal de Belle Mélodie, balboum le quoi ba Power Kosaleka, balboum le quoi ba Formule CTA ba rumba. Yaza ba rumba. Donc, balboum a ba jara bongo, bo comparant on a balboum nini. Il y a des à Congo. Album Nine Bimana Congo, les lots, les qui formule. C'est dans matière tout, vente, dans matière tout, ma vie sur TikTok, na YouTube, ma kambo, tout. Album Nine.
album ni na Congo rumba biman ya ba misère tout depuis Luambo tina petit na se infiltré à rumba et l'équipe Formule 7 yamba zo ko Emilie Rabi ne pas ba invité na binu mon arata ba plateau boy pour vous en a sonné. Vous en avez vraiment son. C'est avec ce mot que nous allons mettre un terme. Il fallait pour parler lors de ton concert. Il y a plus de 3 millions pour l'Aksabango que l'équipe Bango Lissousou. Il est tellement au-dessus. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Les masters de la presse font des efforts pour vous donner des images et des émissions comme ça. Malgré la difficulté, moi, non, là, la tuer dans la voiture, tout ça, la moins émission pour te déranger, pour te informer. Bino, voilà, c'est comme ça. Partager, ça fait tellement du bien. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. Aigle en mat. Bisous, bye.